Tac, la dernière course, on y va vraiment chill, tranquille. Ah, moi je voulais mettre la musique. Et celle-ci, qu'elle sera pas trop forte. Rassurez-vous, c'est pas la fin de la vidéo. Hein. Juste que je l'adore celle-là, elle est trop bien. En même temps, vous l'entendrez en entier. Alors, je suis quoi, moi? Puncher, on va essayer d'aller en échapper, pardon. Hop. Voilà. Et toi, tu veux partir, je te suis. Je montre que partir en échappée, hein. Et voici la musique en entière, donc ça donne ça. J'ai longtemps hésité au début, c'était pas celle-là la musique que je voulais mettre, c'était plutôt celle-là que je voulais mettre au début. Voilà, une partie en tout cas. Voilà les musiques que je voulais mettre pour la outro. J'ai tellement de musiques qui sont trop bien. Après, c'est principalement les musiques de Spec Ops The Line. Quand j'avais fait la vidéo test, du coup, j'avais regardé plein de sons différents. Il y a plein qui sont super bien. Peut-être une petite dernière.
Celle-là. Sprint massif. Le peloton vient de reprendre les échappées. Et attaque voilà. À l'avant du peloton. Fin de cette partie musicale. Ah bah en vrai, voilà, ça c'est les musiques que. Nous sommes. Ça c'est les musiques que j'aurais bien voulu mettre. Ça roule vraiment fort. Il ne faut pas que les musiques que j'aime bien, simplement. Sinon, il va y avoir des cassures. Oh, j'adore la musique. La musique, je trouve, c'est vraiment sous-côté souvent. Les gens font pas assez attention aux musiques, je trouve. Enfin, vraiment, c'est un truc, ça nous parle quoi, la musique. Sauf que si je fais ça, attendez, je suis mort, clac. Bon, l'échappée, ceci dit, je reviens un peu dans le jeu là, mais l'échappée, je sais pas si vous avez vu, il y a personne qui voulait collaborer, c'est assez rare quand même. C'est un peu du grand n'importe quoi. Ouais, bon, ça arrive, hein, malheureusement, ça arrive. Bon, il y a un Wout Van Aert là, hein, donc. Je pense que Wout Van Aert va gagner. Et il peut. Il peut tout gagner de toute façon. Il reste moins de 5 km à parcourir. Écoutez, bah nous on va rester là, sage, tranquille. Eh, ça roule fort, même avec 85 ici ça clignotait en rouge. Hein. Allez.
On y va. Wood Van Aert. Et voilà, Wood Van Aert. Oh, 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 non. Arnaud Delis, qui est très, 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 très bon aussi. Arnaud Delis, c'est un jeune qui est ultra prometteur. Hein. À surveiller, Arnaud Delis. Hein. Probablement un futur champion. Hein. Et ben voilà, c'était la dernière course. Ceci clôture la dernière course de la saison. Clôture la dernière course. Clôture la saison 1. Voilà. Écoutez, alors pendant que le temps avance, petit débrief de la saison. Bah, la saison était plutôt réussie. Nous avons 4 victoires. Nous sommes champion national du chrono. Nous avons gagné la route du Limousin. Avec tous les maillots, donc nous avons fait une suprématie dessus. Nous avons gagné une classique belge dont le nom m'échappe. Mais on l'a gagné, ça ne m'a pas échappé. Qui nous donne donc 4 victoires. Donc il y a 3 victoires d'étape et une victoire, c'est-à-dire j'ai gagné le classement général de la route du Limousin, ça compte comme une victoire, ce qui nous fera un total de 4. On a plutôt pas trop mal progressé, on est niveau 7. Alors si on aurait été dans un niveau moindre, on aurait gagné plus de courses, on aurait pu monter niveau, on va dire, 8-9 assez aisément, on va dire. Mais là, par rapport à tout ce qu'on a fait, niveau 7, c'est plutôt honorable, c'est pas mal. Pas mal du tout, c'est une progression qui est correcte. Donc une bonne, plutôt bonne première saison. Après, ce qui est dommage, c'est que du coup, il nous manque encore des courses. Après, maintenant, on a atteint le niveau 6, donc il y a beaucoup plus de courses qui nous sont ouvertes. Vraiment à avant. Prochaine étape, ce sera quand on sera niveau 9. Niveau 9, on aura toutes les classiques, on va dire les vraies classiques de World Tour qui nous seront ouvertes. Donc là, ça c'est cool. Niveau 13, ce seront les monuments. Je précise là ce que je n'ai pas précisé la dernière fois. Les monuments et le Giro ainsi que la Volta. Le Tour de France, il me semble que c'est niveau 16. La course, la plus grosse course, quoi. Fermeture du marché des transferts. Ah, oh. Le marché des transferts est désormais bouclé. Le plus gros mouvement de l'automne est probablement à mettre à l'actif de l'équipe Bahrain Victorious qui a signé le sprinter Jesper Philipsen, qui était chez Alpecin Phoenix. Merlier a quitté Alpecin Phoenix pour rejoindre la Astana. Tuns a quitté Bahrain pour rejoindre Jumbo Visma. Steven Dash Cavendish a quitté Quickstep pour la Bahrain. Henrik Mas a quitté Movistar pour Alpecin Phoenix. Simon Yates a quitté Bike Exchange pour Alpecin Phoenix. Là-bas, ils sont souvent au cœur des transferts à Alpecin Phoenix. Hein. Yoni Zaguerre a quitté la Cofidis pour Movistar. Alexander Christophe a quitté Intermarché Montégobert pour la Uno X Pro Cycling. Mais c'est trop bien! Mais c'est trop cool! Ah, oh, je suis trop content, il va être avec moi. Nice! Guillaume Martin a quitté la Cofidis pour rejoindre le team DSM, l'équipe où il y a Romain Bardet entre autres. Donc ça c'est plutôt bien, enfin s'il y a encore. Hein. Timens Arensman a quitté la DSM pour rejoindre Ineos et Peter Sagan. Oh non c'est dommage, il a quitté Total Energy pour rejoindre la team DSM. Donc la team DSM à mon avis qui va être plus performante, plus intéressante qu'avant. Là on peut voir ici à quoi ressembleront les équipes l'an prochain. On voit que là, la G2R Citroën, la mondiale, bah, c'est. Bon, c'est. Kif kif bourrico, quoi, hein, c'est pareil. Dans l'idée, c'est un peu pareil. Alpecin Phoenix a perdu un petit peu, peut-être, je sais pas. Elle a quand même recruté du beau monde aussi. Hein. Je pense qu'ils ont réussi à équilibrer. Astana a gagné un petit peu. On voit ici par rapport au nombre d'étoiles, entre autres. Ils ont surtout beaucoup gagné en sprint. Hein. Énormément. Ouais, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà, Bora, ça n'a pas bougé. Ah, Kamna est parti. Parce qu'il y a la Cofidis. Oh, intéressant ça. La Bahrain, ça a pas mal changé. Ils ont beaucoup gagné en sprint aussi. Ils ont un peu perdu en vallon. Est-ce qu'ils ont perdu Tuns, c'est pour ça. Et Wood Pulse est parti à Total Energy? What?
Ok. Eh ben. Ah oui, Jesper Philipsen et Cavendish qui arrivaient. Hein. En effet, ils vont se mettre sur les chronos, quoi. Mathieu Bodnar qui est parti, il a déserté la Total Energy. Les mecs, ils font un an et puis se barrent, quoi. Ici, pas vraiment de changement. Là, c'est tranquille. La Groupama, idem. Pas trop de changement. Pierre Barbier et Rudy Barbier sont arrivés. Est-ce que c'est des frères? Vraie question, hein. Keldam, Lennart, Konovalovas, ils sont partis, ok, bon, assez transparent, on va dire. 4 arrivées, 5 départs. Ah, fin de carrière de Richie Porte, important. André Amador, important. Ethan Hayter, hein, très très fort, 24 ans, vous voyez, il sait tout faire. Israël, première tech. Là, j'ai l'impression qu'ils sont un peu perdus, quoique non, pas tellement. Movistar, pas beaucoup de changements non plus. Il y a eu des départs. Fin de carrière d'Alejandro Valverde et de Emmanuel Erviti. Ah, ça a fait une sacrée perte quand même. Hein. Henrik Mas est parti. Ils ont récupéré Yonis Aguirre. Ouais, ils ont perdu quand même. Ouais, ça, c'est un gros coup quand même. Oh, box. Et c'est... Attendez, c'est qui eux? Belle Barguil. Ah, mais c'est la Arkea. Arkea Samsic n'est plus Arkea Samsic, mais devient Aobox. D'accord, mais voilà. Donc voilà, c'est comme ça, c'est les changements. Aobox a racheté l'équipe Arkea Samsic. Pour le meilleur ou pour le pire, ça... On le verra bientôt. En tout cas, en termes d'effectifs, ça n'a pas beaucoup changé. La Quickstep Alpha Vinyl. Très peu de transferts finalement. Ok. La Team Sforza. Et encore un changement. Alors ça, c'était la Lotto Soudal. Lotto Soudal qui n'est plus et qui maintenant est la Team Sforza. Ils ont perdu quelques trucs. Pareil, en termes d'effectifs, pas beaucoup de changements. Ils auront un coureur de moins, mais ça, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Fin de carrière de Thomas De Gendt. De Rent, je ne sais pas comment ça se prononce. Roger Klug. Il était fort aussi, lui. Hein. Philippe Gilbert est parti à la Bingoal. Avec 40 ans, Philippe Gilbert, hein, quand même. Hein. Team DSM. Pas trop de changements. Guillaume Martin est arrivé, Gianni Vermeersch est arrivé, Peter Sagan est arrivé. Donc pour les classiques du Nord, ils sont en train de s'équiper. Ils ont perdu un petit peu à Arensman, Stork et Newins. Ok, bon. Globalement, ça s'est plutôt équilibré là, c'est pas mal. Ah, Jumbo Visma. Arrivée de Dylan Tuns, Michael Matthews, Bob Jungels et Joris Nieuwenhuis. Oh, c'est non. Fin de carrière de Tom Dumoulin. Oh, 31 ans seulement. Étonnant, ok. Total Energy. Ah, alors Total Energy, il y a eu du changement. Beaucoup, beaucoup de changements. Ils ont une tonne d'arrivées. Mais ils ont le bon Johan. Tout va bien se passer. Michael Chérel, Lilian Clemejean qui est revenu à la maison. Woodpulse, c'est pas n'importe quoi. Ah, attention. Yann Polanc, pareil, très fort. Comme De Vrienne, donc pour les classiques du Nord. Après, ils ont toujours Turgis, hein, logiquement, donc c'est bon. Oh, ah ouais, ils ont perdu Pierre Latour. Ils ont perdu Peter Sagan, Jeremy Cabot, Daniel Hoss, Victor Delaparte. La fin de carrière hein, pour les deux là. Hein. Aucun contrat pour Paul Ourselin, il est dans la nature. C'est triste. Oh, Boasson Hagen. Allez, la Uno X là. On récupère Alexander Christophe et Boasson Hagen. Et on va avoir une belle équipe. Hein. La Trek Segafredo, c'est le calme plat. Pourquoi pas. La UAE. Alors UAE, attention, arrivée de Brambilla, Soto, surtout des jeunes là. Enfin jeunes. Enfin, bon, il y a plus jeunes bien évidemment.
Cofidis, Rappel, Postelberger, Jacopo Guarneri. Départ de Bierg pour la Total Energy, Polank, Formolo, Rui Costa, Oliveira. Et Lagen qui revient. Mais, mais tous les Norvégiens retournent à Uno X. On est en train de faire une équipe nationale en fait. Vous avez vu? À chaque fois qu'on voit un Norvégien, il quitte l'équipe pour venir. Non mais attendez. La Uno X, ce sera une équipe norvégienne, mais vraiment à fond, quoi. Et quelques Danois par-ci par-là. La Alpecin, elle est... elle a pas mal changé de physionomie, beaucoup moins de sprint. Et meilleure en course, course par étape, en vallon. Faire un petit peu de sa force de frappe en termes de sprint. Alors, arrivée d'Henrik Maas, Simon Yates, Eden Barr. Ok. Jesper Philipsen, Tim Merlier, Vermech qui sont partis. Et d'autres un petit peu plus anecdotiques. Andrea Giacatulli, ça m'intéresse pas. La BNB, ça m'intéresse qu'assez peu. Pas trop de changements. Ok, ok. Pas trop de gros changements. Oh là, par contre, ici, il y a un gros changement. Hein. Au chrono, ils ont beaucoup perdu. Hein. Oh box. Attendez, encore la Total Energy. Ah oui, c'est parce qu'ils ont changé de catégorie. Et nous là, on a un petit peu progressé. Déjà, on a gagné deux coureurs. Là, ici, c'est clair, c'est net, c'est quasiment angle droit. On est meilleur en sprint et en pavé. Arrivée de Alexander Kristoff. Nous avons des petits jeunes qui arrivent là, donc de l'équipe de développement. Nous avons Sander Hansen Marcus, Lowland Zakaria Scholler et Brinsrud Magnus. Nous avons André Dregé qui arrive tout droit de la Team Coop. Et des jeunes là, des jeunes, des très jeunes. Pas très jeunes. Nous avons Agenès Perstrand de la Jumbo Visma qui vient. Stone Mittet Johansen de la team Jumbo Visma Développement. On a piqué tous les Norvégiens. Le recruteur de l'équipe, il a arrêté de checker tous les Norvégiens. Qui est en fin de contrat, il a proposé à tout le monde. Allez. Simple quoi. Sander, ça doit être. Ah non, c'est pas les mêmes. Sander Hansen Marcus. C'est quoi ça, team quoi? Kalakak. Donc Eroksen, Stein, Erik, Knoten, Iver, Uman, Bauer et Hels, donc Jensen, August, Lagen, Vegard, Steak, enfin Stack, et Boasson, Hagen, Edvald. Ouh là là. C'est merveilleux. Donc 13 arrivés, donc il y a beaucoup de mouvements. Et 11 départs. Malheureusement, nous avons Alvorsen, Christopher Alvorsen qui est parti. Il était super fort au sprint. Hein. J'ai même pas qu'on avait un gars aussi fort. Oh, j'ai oublié. Ah, dommage. Anders Johansen qui est pas mal progressé en plus. C'est dommage qu'il soit qu'il parte. Mitok. Bon, pourquoi pas. Un Danois qui est parti. Ah ouais, nous on recrute que des Norvégiens. Que des Norvégiens. Ah, il y a un Danois. Oh, la fourberie. Ressel qui est parti, notre champion de Norvège qui est parti, c'est dommage. La team Laté, la team du lait. Egg Niklas, ça pareil, je roulais pas mal avec lui, c'est dommage. Oh, allez, chacun sa route. Hein. Thord, Gusmestad qui est parti. Aucun contrat d'ailleurs, aucun contrat. Hein. Il est en liberté. Siver Westerd, Niklas Larsen. Lars Sogstad qui est parti également. André Kulset, Team Coop. Et Christian Kulset qui est parti aussi. Contrat non renouvelé. Waouh, bon. Vous voyez ça un peu là? Ça c'est une belle équipe. Et du coup, en plus, on arrive à bien évoluer quand même. Hein.
J'ai tellement hâte. Et imaginez, on arrive à passer en World. Imaginez. Bon, après, il y a qui d'autre comme équipe? Ben, on a fait le tour. Hein. Bon, voilà. Je vous ai fait un peu le point du coup sur tout ça, parce que j'aime bien regarder tous les transferts et voir les évolutions. Mais déjà, il va y avoir deux équipes qui auront changé complètement de nom. Mais nous, là, on voit qu'on a progressé hein, par rapport entre les départs et les arrivées. On sera une meilleure équipe. Eh, mais en vrai, si c'est possible, moi je reste avec la Uno X. On peut aller en World Tour. Ce serait trop bien. Ce serait trop bien. Modification de votre calendrier. Oh, on est déjà le 1er janvier, ça y est. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. On va regarder tout ça après. On va faire tous les petits réglages de pré-saison, etc. etc. Dans une prochaine session. Bah, j'espère que déjà ça vous aura plu, la petite saison 1 de l'histoire de Hayke Christensen, de sa carrière. Ce coureur promis à un bel avenir. Et puis du coup, à bientôt. Bon, en attendant, il va y avoir le Tour de France. Soyez sur les routes, faites pas de bêtises, hein. Évitez de mettre des cartons, tout ça, de faire n'importe quoi. Soyez respectueux des coureurs, bien évidemment, si jamais vous les voyez. Si vous les voyez pas, bah, juste profitez bien derrière votre écran, hein, tout simplement. Allez, c'était Karl Mills et puis je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. À bientôt tout le monde. Thank you.